22, vous avez plus de charisme que la majorité des politiciens. Fabrice Lucini arriverait-il à faire taire Mélenchon durant un débat <laughs> Avec grande vanité, je pense que oui. Mmh. Pour une raison très simple. Laquelle Oh, je pourrais lui sortir la phrase de Céline "Qu'est-ce qu'un prolétaire C'est un bourgeois qui n'a pas réussi." Alors, euh, euh, non, je pense que moi je l'aime bien. J'ai déjeuné avec lui. C'est un trotskiste, enfin c'est un marxiste. Il pense qu'un jour le réel sera sans classe. Un jour, il y aura une société où tous les gens qui gagneront plus de tant d'euros, on leur prendra le maximum. Il ne supporte pas l'injustice. Il ne supporte pas l'horreur du capitalisme. Normalement, Nico, s'il pourrait l'agresser, j'ai envie de lui dire "Ouvre-toi, Nico." Mélenchon, tu verras qu'il est digne d'être aimé. C'est un homme brillant, c'est un orateur, et moi je suis pour une France qui gagne, une France ouverte, une France totalement de gauche. Non, vous êtes un une homme noire. de droite ou de gauche Vous ne l'avez pas répondu finalement. Moi je ne suis pas de gauche. Oui, donc mais ni de parce de droite. que j'aimerais être de gauche, c'est mais ça demande tellement de qualité humaine et du courage et ça, ça demande tellement d'abnégation parce qu'on peut plus habiter à Saint-Germain-des-Prés ni place <laughs> ni dans le 16e. On doit être prêt à Collaborer avec toute l'injustice qui règne dans ce pays et on doit sacrifier son petit, sa petite existence personnelle, son petit plaisir en faveur des déshérités. Et tu te rappelles la phrase merveilleuse dans Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet Flaubert va voir un pharmacien et il dit Monsieur le pharmacien, pourquoi vous ne donnez pas votre fortune aux pauvres Et Flaubert écrit, et le pharmacien réfléchit et répondit Pas si bête, je la garde pour moi.